Guillaume Radio. Mais il fait quand même beau. Allez, on se fait l'histoire de la une erreur, le jeu de la une erreur. Je vais raconter deux fois la même histoire, d'accord? Je vais mettre une musique, ça va être exactement la même histoire, sauf un élément qui sera différent, d'accord? Un élément, l'équipe ne la connaît pas. Non, non. Ouais. L'équipe antenne en tout cas, parce que je l'ai évidemment testé hors antenne. Dommage, hein, d'ailleurs. Sur un membre de la prod qui ne passe pas à la radio, pour voir si c'était difficile ou pas. Il l'a pas trouvé. Ah, ça non, veut dire ah, que c'est bien. Ah, oui, non mais ce soir je l'ai fait difficile parce que j'ai eu des messages qui m'ont un peu énervé. L'autre fois, vous étiez à peu près 8% à avoir tout ce qu'on voit après parmi les messages à avoir trouvé et j'ai eu un wesh trop simple. Oh non, oh, non. Alors ce soir, on s'en tente une un peu plus difficile, juste un soir. Ouais, on essaye mais bon. Les trois premiers qui vont me trouver, c'est une course de rapidité. Les trois premiers qui vont trouver le mot que j'ai changé dans l'histoire, je leur offre un Call of les nouveaux là. Ouais. World War 2. Et d'ailleurs, s'il y en a un qui a un Call of World War 2 chez lui, qui arrive à jouer en ligne, est-ce qu'il peut m'expliquer? Parce que moi, je suis comme une merde. J'ai allumé hier soir et je suis seul sur la map. Ah ouais? En fait, ça marque 1 sur 12, un joueur sur 12, 50 parties trouvées et mon écran, il est noir. Bah, au moins, tu perds pas, quoi. Mais comme s'il y avait un bug, en fait, là. Et je sais pas pourquoi le truc en ligne, il fonctionne pas. Est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer comment faire dans World War 2, le Call of, comment faire fonctionner? Je suis comme une merde et je l'expliquerai à l'antenne parce que j'imagine que je suis pas seul. Je pense pas être trop con et j'ai tout essayé. Ah merde, ah ouais, même les mises à jour du jeu. Alors, soit j'ai un bug, ce qui est possible. Je suis allé voir dans mise à jour, j'ai redémarré ma play et rien n'y fait quoi. Ah, chelou. Ouais. Attention, c'est parti pour l'histoire, le jeu de la une erreur. Tu peux jouer aussi, Juliette, notre stagiaire. Ok, merci. En plus, Odo, standard n'est pas trop mauvaise pour ça. Ah, c'est vrai. Fares du standard n'a pas encore compris la règle. Ouais, exactement. Alors, Fares du standard, il n'a pas été trop mauvais non plus. Ah bah ça va alors. Au 12ème passage, ouais, c'est... il l'a trouvé. Ouais, j'ai trouvé. Non mais en vrai c'est trop dur. Je te dis parce que même je te dis, les gens que j'ai croisés à Cannes m'ont dit que c'était très dur mais qu'ils adoraient le jeu. Ouais, c'est vrai. J'ai un stagiaire archi nul. C'était le pire. Ouais. Il l'a trouvé en dernier. Oui, encore. Oui, et oui. Jordan Apprenti, on va dire à peu près, le mec moyen. Ouais, c'est comme dans la vie. Attention. Je suis le mec moyen. Attention. C'est parti à partir de maintenant. Je suis dans les plaines armoricaines. Nous sommes en 1378 après Jésus-Christ. Je suis tellement content de courir avec mon frère. Aujourd'hui, nous n'avons pas à travailler. Car oui, je travaille depuis maintenant 3 ans. Depuis que j'ai 11 ans exactement. Je porte des pierres. De la carrière en contrebas jusqu'au village de Malano. Ensuite, je porte des seaux d'eau jusqu'à Balimar, la ville où habitaient mes parents avant que les envahisseurs n'arrivent sur l'île. Moi, j'ai eu la chance en tant que casseur de pierres. Et surtout parce que j'étais un enfant, ils m'ont laissé la vie sauve. Oh là là, il y a trop de détails. Hey, c'est un roman le truc. Voilà. Ah ouais. Impossible. Attention. Impossible. Attention, dites-moi, hein, Guillaume et le mot 612, deuxième fois, il y aura un mot qui va changer. Un gros mot. Et à chaque fois, c'est des mots énormes en plus que je change. Ça va être la ville. Deuxième histoire, c'est parti. On parie. Je suis dans les plaines armoricaines. Nous sommes en 1378 après Jésus-Christ. Je suis tellement content de courir avec mon frère. Aujourd'hui, nous n'avons pas à travailler car... Oui, je travaille depuis maintenant 3 ans. Depuis que j'ai 11 ans exactement, je porte des pierres. De la carrière en contrebas jusqu'au village de Malano. Ensuite, je porte des seaux d'eau jusqu'à Balimar, la ville où habitaient mes parents avant que les envahisseurs n'arrivent sur l'île. Moi, j'ai eu de la chance en tant que tailleur de pierres. Et surtout parce que j'étais un enfant, ils m'ont laissé la vie sauve. Je crois que j'ai un indice. Ah, Guillaume et le mot 612. Alors, à chaque fois qu'ils ont des trucs, ils se sont trompés la semaine dernière. Attends, donc on va voir. Qu'est-ce que c'est? Trop simple, il y en a un qui dit Balimar. Non, c'est pas Balimar par SMS. Non. Est-ce que c'est Envahisse l'île? Non, c'est pas ça. C'est juste moi qui me suis trompé, je suis désolé, j'ai bugué sur le mot. Mais... Non, c'est avant. Bien avant. Qu'est-ce que c'est? C'est Porte des Pierres, il y en a qui dit. Non. Non, c'est pas ça. Est-ce que ça serait des seaux d'eau, Michel? Non, c'est pas ça. Désolé, Michel. J'ai un stagiaire. Je peux le dire ou pas? Oui. C'est avant et après Jésus-Christ. Non. C'est une erreur. Oh merde. J'ai un stagiaire. C'est pas ça. Enfin, il était sûr de lui. On s'est regardé en plus. C'est la date. C'est la date, mauvaise réponse. Non, c'est pas la date. Non. Mais c'est marrant, 1300, ils se sont tous plantés. Oh, de standard. Non, je l'ai pas du tout là. Fares du standard. T'as pas enlevé un mot? Non, j'ai changé un mot énorme. Ouais, non, alors. Mais à chaque fois, c'est un des mots les plus gros. C'est chaud. Juliette, la stagiaire. Je pensais que c'était la date, 1318. Mais non, on s'est tous regardés à ce moment-là. Non, c'est pas ça. On a bugué. Est-ce que vous l'avez trouvé? Je vous offre des Call of Guillaume et le mot 612. Est-ce que c'est la carrière? Non, c'est pas ça. C'est quoi alors? Merde. Je vais le refaire une deuxième fois.
entièrement. Ensuite, j'enlèverai trois phrases d'un coup. Je vais y arriver un jour, ça m'énerve. Les trois premiers qui vont me le trouver, je vous offre des Call of les World War II. Guillaume et le mot avec votre numéro de téléphone au 612 juste après ça. On joue à un jeu d'attention, mais alors vraiment c'est difficile. Je m'appelle Guillaume, c'est Guillaume Radio. On est là tous les soirs à partir de 20h jusqu'à 23h à la bonne franc-franc avec à la bonne franquette avec Julien Stagiaire, Jordan Lapronti, Aude et Fares au standard. Ouais. On essaye de faire un jeu là qui est tout nouveau qui s'appelle le jeu de la une erreur. Il faut essayer de trouver la une erreur. C'est fait exprès que ce soit pas français. Hein. Il y a Julien, il y a Fabien, pardon, Karine et Manon au standard. Vous m'entendez, les poulets? Oui. Ça va ou quoi? Oui, salut. On est là. J'ai entendu fuck un moment. Par choc. Je vais redire l'histoire. Vous allez me dire si vous entendez la différence, d'accord? Oh là là. Les trois premiers qui m'enverront Guillaume et la différence avec votre numéro au 6-11-12, je vous offre les nouveaux Call of Duty World War II, les Deuxième Guerre mondiale. Elle est pas facile l'histoire. Bonne chance. Et je féliciterai le membre de l'équipe. On lui offre un cadeau personnellement. Ah, c'est vrai. Genre quoi? Au premier qui trouvera. Ah, je suis intéressé. Un resto. Je vous paye à manger demain midi. Non, ça va coûter cher. Ok. Dans la limite de 20 euros. Oh non. Okay, c'est bien. Bah, attends, parce que Jordan Apprentice le connaît. Ah ouais, moi je me chauffe. Il va me faire une note de frais. Ah ouais, pas mal. Dans un hôtel de luxe. Ça te coûte une voiture. Oui, bah je n'ai pas les moyens. Donc je te ferai dans la mine de 20 euros. C'est déjà très bien. Ah, attention, Guillaume, un espace et la différence avec votre numéro aussi. Là, ça me plaît le jeu. Là, c'est intéressant. Je demande à l'équipe de prendre un stylo et une feuille pour pas le dire tout fort, pour pas gâcher le jeu à l'antenne. En plus, j'ai déjà faim en plus. Le premier qui me montrera l'erreur aura gagné. Attention, j'y vais. Première histoire, il y aura une différence comme sur les photos, les 7 erreurs avec l'autre. Juliette, notre stagiaire, tu peux jouer aussi. Je suis sûr que c'est ça qui va gagner. Concentre-toi, d'accord? Je suis concentré. Vas-y, attention. Première histoire. Je suis dans les plaines armoricaines. Nous sommes en 1378 après Jésus-Christ. Je suis tellement content de courir avec mon frère. Aujourd'hui, nous n'avons pas à travailler, car oui, je travaille maintenant depuis 3 ans, depuis que j'ai 11 ans exactement. Je porte des pierres. De la carrière en contrebas jusqu'au village de Malano. Ensuite, je porte des seaux d'eau jusqu'à Balimar, la ville où habitaient mes parents avant que les envahisseurs n'arrivent sur l'île. Moi, j'ai eu la chance, en tant que casseur de pierres, et surtout parce que j'étais un enfant, ils m'ont laissé la vie sauve. Première histoire. Oh, c'est dur. Deuxième histoire, c'est parti. C'est long, c'est long. Une seule chose change. Je suis stressé là, en vrai. Je suis dans les plaines armoricaines. Nous sommes en 1378 après Jésus-Christ. Je suis tellement content de courir avec mon frère. Aujourd'hui, nous n'avons pas à travailler car... Oui, je travaille maintenant depuis 3 ans. Depuis que j'ai 11 ans exactement. Je porte des pierres. De la carrière en contrebas jusqu'au village de Malano. Ensuite, je porte des seaux d'eau jusqu'à Balimar, la ville où habitaient mes parents avant que les envahisseurs n'arrivent sur l'île. Moi, j'ai eu la chance en tant que tailleur de pierres. Et surtout parce que j'étais un enfant, ils m'ont laissé la vie sauve. Quelle est la différence? Est-ce que vous l'avez ou pas? Guillaume, c'est quoi? On mange ensemble demain midi. Attends. Oh, elle a levé la main en première. J'ai dit moi, Guillaume. Elle a levé il y a 5 secondes avant toi. Alors, il faut montrer la feuille. Oh non. Maintenant? Celui qui trouve la différence. Je l'ai, c'est bon. Je lui offre un cadeau. Je l'ai. Guillaume et le message au 612. Ah non, putain. Ce qui est rigolo, c'est que vraiment, il y a des messages de partout qui arrivent même de mes copains qui écoutent l'émission. Ils ont trouvé? Et ils se plaignent. Je l'ai, moi. Ce n'est pas le pseudo. Non, je l'ai. Marquez-le moi sur une feuille. Et tu viens me le montrer devant moi, je veux que personne le voit d'autre. Aude au standard, vas-y en bas. C'est bonne réponse pour Aude, première. Et je viens stagiaire, c'est une bonne réponse, mais trop tard. C'est dingue, c'est que dès qu'il y a de l'argent à gagner, c'est les JO après. Vas-y, au moins un dessert. Jordan Apprenti, tu l'as pas trouvé? Si, je crois que je l'ai. Ah, c'est quoi? Mais je suis pas sûr. Ah non, mais avec un papier. Il faut un papier. Il faut un papier. Fares au standard. Ah, moi je l'ai pas. Hein. Est-ce que vous l'avez trouvé, Guillaume, et la réponse avec votre numéro 612? Les poulets au standard, Fabien, Karine et Manon, est-ce que vous l'avez ou pas? Non, du tout. En plus, j'ai même pas de papier pour noter. Ah, mais. Non, on l'aurait pas vu. Attention, je vais vous la faire une fois plus rapide. La différence, c'est Malano. Non, ce n'est pas ça. Les envahisseurs, salut Jojo. Non. Salut. Salut. C'est un peu la nouvelle énigme en fait. Ah, c'est dur, ça. Wow. Qu'est-ce que c'est, Guillaume? Parents, grands-parents? Non. Non. C'est marrant, hein, parce que j'avais un enfant. Non, c'est pas ça.
Mais c'est pas mal joué. Guillaume et la réponse avec votre numéro au 6-11-12. Si vous avez trouvé, c'est pas une énigme, hein, c'est un jeu qu'on fait pour nous. Ouais. Et là, exceptionnellement, j'ai des colafs, on a récupéré des cartons, je vais en offrir aux trois premiers. Attention, c'est parti, on y retourne une dernière fois. Attention, je laisse plus qu'une phrase. Je vais directement à la fin. Il va falloir aller très vite, très rapidement. Je porte des seaux. Pardon. Parce qu'en fait, j'ai coupé la phrase en plein milieu. Je porte des seaux d'eau jusqu'à Balimar, la ville où habitaient mes parents, avant que les envahisseurs n'arrivent sur l'île. Moi, j'ai eu de la chance en tant que casseur de pierre, et surtout parce que j'avais un enfant. Parce que j'étais un enfant, pardon. Ouais. Ils m'ont laissé la vie sauve. Deuxième phrase. Deuxième fois avec une erreur. Je porte des seaux d'eau jusqu'à Balimar, la ville où habitaient mes parents, avant que les envahisseurs n'arrivent sur l'île. Moi, j'ai eu de la chance en tant que tailleur de pierre, et surtout parce que j'étais un enfant. Ils m'ont laissé la vie sauve. Ah ouais, évident, évident. J'ai trouvé. Juste, garde-le pour toi, ma chérie. Et juste, dis-nous la première lettre, s'il te plaît. Un C. Hein. Oui. Ouais, c'est ça. C'est une bonne réponse. Bien joué. Guillaume est la bonne réponse, 6-11-12. Qui suis-je? Allez, énorme. Il est énorme ce jeu. Il est énorme. Eh, hey, jeu de con. Farès du standard, tu l'as? Ouais, c'est bon, je l'ai. Ouais, c'est ça, je le vois. Ouais. Ouais, franchement. Toute l'équipe l'a trouvé? Ouais. Attention, tu l'as trouvé, Juliette, la stagiaire. Montre-moi. Bien vu. Ah, attention, puisqu'il y en a encore qui n'ont pas trouvé par SMS, puisque le dernier message c'est envahisseur. Non, c'est pas ça. Et non. Il y en a qui l'ont trouvé. Il y a 43% de messages qui l'ont trouvé. Bon, ah, bravo. Pas mal. Guillaume et le mot avec votre numéro 612, on va prendre les trois premiers. On va enfiler, tu sais quoi, on peut enfiler plus, on en a plein. Ouais. On va enfiler plein en antenne. Allez. Attends, vas-y, d'abord, il faut juste que j'attrape, si vous me permettez, l'histoire, parce que je ne l'ai pas imprimée, je l'ai écrite juste avant. Ah merde. J'ai fait des petits changements. Attention, je laisse vraiment plus que la phrase, d'accord? Attention, dernière phrase. Moi, j'ai eu de la chance en tant que casseur de pierre, et surtout parce que j'étais un enfant. Ils m'ont laissé la vie sauve. Attention maintenant, la version 2 est une erreur. Moi, j'ai eu de la chance en tant que tailleur de pierre, et surtout parce que j'étais un enfant, ils m'ont laissé la vie sauve. Ah bah là, ça vous saute aux yeux, Julien Stagiaire, parce que tu l'as écouté, tu l'as trouvé. Oui. Quand tu l'avais pas trouvé, il y a 3 jours, ouais, tu ne trouvais pas. Ah, mais jusqu'à la dernière. En fait, quand tu l'as pas forcément. Ah, tu galères après. Hein. Exactement. Et ben alors, Karine, Manon, tu l'as ou pas? Ouais, je crois. C'est quoi la première lettre? C'est un C. Oui, et la deuxième, du coup, dans l'erreur? Un A. Oui, non, mais la deuxième, la première lettre dans la deuxième version. Un T. Oui, un T. Exactement. Ouais, bravo. Exactement. Bravo. Bah, je peux vous le dire, je pense que vous l'avez trouvé. C'est ouais, casseur de pierre et tailleur de pierre. Exactement. Attends, c'est marrant ce jeu à la con. Là. Ah ouais, c'est rigolo. Ouais, je disais, moi, j'ai de la chance en tant que tailleur de pierre et surtout parce que j'étais un enfant. C'est quoi demain? On se met genre dans une ambiance guerre avec des tirs et tout. Ah, très bien. Et je vais demain, c'est Hollywood, je vous le dis. Ça va durer une heure. Non, mais demain, je bosse une heure dessus. Et ça va être une bande-son de cinéma. Mais c'est rigolo à faire, ouais. Et vraiment, je vais être. Ou alors, je vais être. Je suis docker au port d'Amsterdam. Il est 8h du matin, je viens d'arriver trop tard à boire mon café. Tu sais, avec une vraie ambiance et tout. Ah oui, un classement. Je mettrai une. Ah, mon bateau vient d'arriver. Eh oui, il a une minute en retard. Il aurait dû être là à 8h17. J'entends des jet skis passer au loin, sur les petites vagues, à la mer. Et on peut se mettre à. Je vois des mouettes passer tous les matins. C'est marrant de se mettre dans une ambiance. Ah, c'est rigolo, ouais. Je monte sur le bateau à moteur. Et je pars faire le tour du gros paquebot qui vient d'arriver. Oui, Farès du standard. Je pense avec les éléments, ça sera plus facile. Tu trouves? Non. Avec le son, on va forcément. On va faire attention. Enfin, on va faire plus attention. Ah, justement, pas, hein. Justement, moi je pense que c'est le contraire. Ça distrait, ouais. Je pense que tu vas te concentrer sur les sons et qu'en fait c'est un piège. Ouais. C'est un peu comme la technique de magicien. Tu envoies le regard vers l'arrière et c'est un cache-misère. C'est un cache-misère, exactement. Je viens de s'agir le cache-mimi. Il connaît.